Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo présentation de livres, donc tous mes livres mystères. Donc on va commencer, donc je les prends dans l'ordre qui viennent. J'ai pas trié si c'est le magazine livre de collection, enfin voilà, bref, vous avez compris, j'ai pas trié parce que sinon j'aurais mis quelques jours. Donc, pour commencer, j'ai le coloriage mystère de chez Megastar, le numéro 14. Et dans celui-là, si j'en ai pas fait, je vous montre un peu comment ça se présente. Donc voilà, vous avez le code couleur que vous devez trouver les feutres pour pouvoir colorier. Et dans celui-là, donc je n'en ai pas fait encore. Voilà. Donc je peux vous montrer les solutions à la limite, hein, parce que de toute façon on ne les trouve plus. Voilà. Pour les solutions, je vous montre vraiment vite fait. Ah, il me semblait que celui-là je l'avais fait, mais apparemment non. Voilà. Et voilà pour ce magazine là. Ensuite, en magazine, j'ai également la collection Vice Versa. Donc, je les ai pas tous hein, parce qu'après, ils en faisaient plus. Donc, là par exemple, j'en ai fait quelques-uns. Donc, vous avez le code couleur et voilà comment ça se présente. Donc, vous avez un premier dessin, mais ça donnera pas la petite poupée. Ça donnera autre chose. Donc ici c'était des cœurs et ça m'a donné une fille avec des lunettes de soleil en forme de cœur et vous avez la solution derrière. J'ai également fait le petit pharaon, donc ça date de 2016. Un paysage, j'en ai fait quelques-uns hein. Voilà. Voilà, je vous les montre vraiment vite fait parce que des livres il y en a hein. Alors, prenez un café, un thé, ce que vous voulez. Voilà. Je vous montre vraiment vite fait ce que ça peut donner. Là, c'est un en cours qu'il faudrait que je finisse d'ailleurs. Donc voilà, je vous montre uniquement ce que j'ai fait. Voilà. Et ensuite, je crois que c'était tout parce que celui-là, je le faisais dans l'ordre. Et c'est le numéro, je crois que c'est le 1. Non, le 1, je l'avais fini. Donc, ça, c'est le numéro 4. Voilà pour ce magazine-là. Ensuite, toujours chez Megastar, on a le numéro 3. Celui-là, j'en ai aussi fait. Donc, j'ai fait celui-ci qui date de 2017. J'ai fait également celui-ci qui date aussi de 2017. J'ai fait ces deux-là. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 4. Ouais, c'est le numéro 3, pardon. Donc après, j'ai fait celui-ci. Et je crois... Ah oui, j'avais aussi fait les champignons. Alors celui-là était super long. Celui-là, je l'avais fait en 2018. Et je crois que c'est tout. Donc, je vous montre les solutions vite fait. Parce que de toute façon, on ne les trouve plus. Voilà. Voilà, je vous montre un petit peu. C'est divers. Hein, vous avez des animaux, des glaces, des fleurs, des fruits. Enfin, vous avez de tout. Ensuite, toujours chez Megastar, nous avons le numéro 13. Et celui-là, ben en fait, je crois que j'en ai pas fait puisque moi je ne les trouve plus chez moi. Et vu que j'ai arrêté de les acheter, voilà. De toute façon, je ne coloriais plus forcément dedans. Donc, voilà. Pour ça, donc, je vous montre les solutions de celui-là. La rose, là, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Comme vous voyez, il y a de tout pour tous les goûts.
Voilà. Voilà pour le Megastar numéro 13. Et n'hésitez pas, si vous les avez, à me contacter si vous voulez faire des duos. Ensuite, ça n'a rien à voir. J'ai dans les livres coloriage mystère, les ateliers. Donc j'ai le Star Wars. Et je n'ai pas encore colorié dedans. Donc c'est dans le rayon enfant que j'ai eu ça. Je vous montre les solutions vite fait. Donc il y a des zones qui sont déjà pré-coloriées. Voilà pour les solutions. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon aussi, si je ne me trompe pas. Je n'ai toujours pas commencé. Et ça fait déjà 5 ans que je l'ai, il me semble. Voilà pour ça. Ensuite, pareil, même collection, les ateliers coloriage mystère. J'ai Disney, la Reine des Neiges. Pareil, j'ai rien fait dedans parce que tout simplement, il est truffé d'erreurs. Donc, je pense que celui-ci, je le donnerai à ma nièce. Voilà. Les solutions. Voilà, je l'avais acheté, il coûte pas cher, hein, 5,95 €. J'ai aussi le Roi Lion, mais je l'ai terminé, donc je ne peux pas vous le montrer. Ensuite, on arrive au Colorpix. Donc ça, c'est un peu spécial. Donc vous avez toutes sortes de colos dedans. Vous avez alors les explicatifs devant. Donc vous avez ce style et ce style. Donc celui-là, je l'avais fait en mars. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose dedans non plus. Il est quasiment neuf. Voilà. Donc quand c'est les vacances ou quand vous partez, c'est plutôt cool. Vous emmenez ça et vous emmenez une boîte de 48 feutres ou 50 feutres. Et puis au moins, vous avez de quoi faire. Ensuite, ça c'est rien à voir avec le colo. Ensuite, chez Hachette, livre carré magique monument. Donc là, j'en ai fait déjà quelques-uns. Donc voilà, j'avais fait celui-ci. Voilà. Ensuite, j'en ai fait quelques-uns. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer. J'avais fait celui-ci. Ce ne sont que des carrés. Et puis je crois que ça fait un moment que je l'ai celui-ci. J'avais fait également celui-ci. Et derrière, en fait, les solutions, ils vous disent ce que c'est, de quel pays ça vient. Ça, c'est d'Allemagne. Ça, c'est sûr et certain, c'est d'Allemagne. Voilà, j'avais fait en 2016. Donc, autant vous dire que ça fait déjà 5 ans, 4 ans, 5 ans. J'avais fait également le Christ Rédempteur. Et j'ai fait celui-ci aussi qui se regarde comme ça. Et je crois que c'est tout. Donc au début, ça c'est un des premiers livres qui sont sortis. Au début, il me les fallait tous. Et finalement, j'ai abandonné parce qu'il y en a tellement qui sont sortis d'un coup que je ne suis plus arrivée à suivre. Donc je les achète au compte-gouttes. Voilà pour celui-ci. Il faut savoir que j'ai commencé par du colo normal et ensuite le mystère a seulement apparu. Pareil pour celui-ci, j'en ai fait déjà quelques-uns. Donc je vous montre le camouflage. Voilà, celui-ci j'aimerais bien le faire dans l'ordre. Celui-là il est récent, je l'avais fait en duo. Voilà. J'en ai fait d'autres, hein. Bien évidemment, je vous ai fait une présentation dessus. Donc les cases sont quand même assez grosses, ce qui est plutôt pratique. Donc j'avais fait le panda, l'oiseau, la mouette, le kangourou,
J'avais fait le flamant rose aussi en duo. J'avais pas fait tant que ça. Voilà. Voilà. Le serpent. Le scarabée. Le requin. Enfin, j'en ai fait quand même pas mal, hein, je trouve. J'ai pas mal de coloriage à mon actif. Hein. Le panda, c'est rien, ma fifi. La petite oie, ça c'est un des premiers que j'avais fait dans ce livre. J'avais utilisé du stylo gel parce que j'avais pas la couleur. Et au début, ben, vu que j'avais pas autant de couleur de feutre que maintenant, ben, je prenais une page comme ça et je coloriais. Si j'avais les couleurs, je regardais du coup ça. Donc voilà pour ce livre là. Ensuite, ça n'a rien à voir avec le coulou. Ensuite, celui-ci, pareil, je vous ai fait une petite présentation dessus. Donc je vous le passe vite fait. Voilà, j'avais commencé dans l'ordre. Enfin, pareil, hein, c'était un des premiers livres que j'avais. Donc c'est dans celui-là que j'ai colorié le plus. Donc celui-là, il se regarde comme ça. Voilà. Celui-ci, pareil, il m'a pris un temps fou, les amis. Mais alors, vous imaginez même pas. J'ai fait ça. Celui-là, j'ai commencé, j'ai jamais fini. J'ai abandonné puisque j'avais fait le zèbre à la fin. Le feutre, il avait décoloré. Le van. J'avais fait celui-ci que j'adore, c'est un de mes préférés. Comme je vous ai dit, ma période préférée de l'année, c'est Halloween. J'avais fait celui-ci au tout début, hein, 2016. J'avais fait celui-ci en 2015. Donc ça fait 6 ans que je colorie. J'avais fait le camion de pompier aussi le 27 septembre. 2015, j'avais fait celui-là, enfin celui-là, le lapin de Pâques, hein, le chocolat de Pâques, j'avais fait celui-là en 2015 également, celui-ci aussi, le lion aussi, celui-là de la page de couverture. Et je crois que c'est tout pour ce livre. Donc, vous avez aussi des points par point. Donc, celui-ci, celui-ci également. Celui-là, j'ai pas du tout aimé. J'ai fait le gorille aussi. Au début, je coloriais pas forcément. Là, j'avais pas mis la date. J'ai fait la mariée. J'ai fait l'éléphant. Celui-là, j'avais utilisé que des peines 88 ans. Sans déconner, il était long. J'avais fait celui-ci aussi. Paris. Enfin, voilà un peu. Ça, c'est un des plus récents que j'ai réalisé dedans. C'était un duo avec l'or. Et j'avais fait ça. Et le point par point, il me semble que j'en avais fait. Mais comment vous dire que je ne le trouve plus. Alors, sûre et certaine, j'en avais fait un. Mais là, je sais pas du tout où est-ce qu'il est. C'est un espèce de poisson, je ne sais pas trop. Voilà. Voilà. J'avais fait celui-ci, je sais plus, c'était année 2020. Voilà pour ce livre, je vais pas m'éterniser dessus. Et donc, les livres de chez Action, mes coloriages mystères. Donc là, j'en ai fait quelques-uns aussi. Bon, c'est pas mon plus avancé, mais voilà ce que j'ai pu faire déjà dedans. Pareil, normalement je vous l'ai présenté et je crois que je ne l'ai pas fait d'autres là-dedans. Il me semble que non.
Ah si. Celui-ci qui est le plus récent, je l'avais fait en novembre. Ouais. 2020. Ah, j'avais aussi fait le panda en 2018. Et c'est tout pour ce livre-là. Donc je vais mettre pause et je cherche une autre pile. Donc voilà les amis, on continue avec le mosaïque spécial numéro 7. Donc il est plus disponible, hein, bien évidemment. Et là, mon homme avait commencé, mais il n'a pas terminé. Il va falloir que je le fasse. Là, j'avais fait celui-ci. Et c'est tout ce que j'ai fait dedans. Donc c'est que des mosaïques en fait. Je vous montre un petit peu. Donc il faut suivre le code là-haut. Donc ils vous disent. Voilà pour ça. Ensuite j'ai également le Color Quest Cityscape. Donc là pareil, j'ai commencé mais j'ai pas fait le reste parce que c'est super méga détaillé, les traits on ne les voit pas. Donc je vous montre les solutions. Celui-là je l'avais acheté parce que j'ai le Color Quest également. Donc voilà pour les solutions, je vous le fais. Et c'est un grand format. Ensuite, dans les tout premiers, donc ça j'avais pris chez Leclerc, c'est Animaux et compagnie, donc Animaux ici, des dessins de Tolra, donc j'en ai fait quelques-uns, j'ai fait le toucan, j'ai fait le chat, et j'en ai fait d'autres, hein. Ouais, j'en ai fait de l'autre. Ok. Donc, tac, tac, non. J'avais fait celui-ci. J'avais fait le papillon. J'avais fait le petit singe. Et comme dit au début, je faisais avec les couleurs que j'avais, donc c'est pas forcément dans l'ordre. Celui-ci, celui-là il est entamé, j'avais laissé mes feutres dedans. Donc à voir peut-être pour le continuer. Ensuite j'avais fait les petites boucles. Les petites boucles. Enfin bref, moi on va parler français. Hein. Celui-là il m'a pris un temps fou, mais alors interminable. Et donc voilà pour ce livre là, donc je vous montre les solutions. Donc il y a 31. Ah, et j'avais encore fait celui-ci. Pareil, celui-là, j'ai pas du tout aimé le faire. Au final, je n'en pouvais plus de voir des girafes. Pour continuer dans les méga stars, j'ai le numéro 9. Et celui-ci, j'en ai fait. Est-ce que j'en ai fait? Ouais. Je fais le petit cochon. Celui-là, celui-là. J'essaie de vous montrer uniquement ceux que j'ai fait. Celui-là, j'aime beaucoup. Là, il y en a un. Les citrons. Et je crois que c'était... Non, j'ai fait celui-là aussi. Et je crois que... Voilà. Donc, je vous montre les solutions vite fait. Tac. 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 Et je rappelle que c'est des magazines trimestriels. Donc, vous ne les trouvez plus en kiosque. Ensuite, j'ai le Pixel Color de chez Action. Et voilà ce que j'ai déjà pu faire dedans. Donc il faut juste suivre le... Là, il vous donne l'exemple. Et là, vous devez le reproduire. C'est ma meilleure amie qui me l'a envoyé. Donc là, j'en ai pas fait. J'en ai fait qu'un seul dans celui-ci. Ouais. Donc j'ai les quatre. Voilà.
Ensuite, dans le Disney Classic tome 1, je l'ai bientôt terminé, donc je vous montre dans sa globalité. Donc c'était à mes tout débuts. Voilà, je vous montre où j'en suis. Donc j'ai pas repassé tous les contours en noir, je suis en train de les faire. Mais vu que c'est quand même assez long et chiant, je préfère ne pas m'occuper de ça. Voilà. Voilà. Et donc ils sont tous faits quasiment. Voilà. J'en suis rendue à la page, je sais plus. Je vous montre hein, où j'en suis, hein, tant qu'à faire, c'est fait pour ça. Hein. Voilà. Et une fois que j'aurai terminé celui-là, j'attaquerai seulement le numéro 2. Et une fois que j'aurai attaqué le 2, j'achèterai seulement le tome 3. Et ouais les amis, je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de le faire comme ça, pour cette collection-là. Donc tac, voilà, je vous dis, je les ai quasiment tous faits, hein. Donc depuis 2016, je suis dessus, ça fait quand même 16, 17, 18, 19, 20, 21, ça fait 5 ans. Donc voilà, j'en suis arrivée à la page 70, et bon, il y en a d'autres de faits, hein, mais j'aimerais bien les faire dans l'ordre, hein, cette fois-ci. Donc voilà, ça j'avais utilisé du stylo gel pour cette couleur là. Ça c'est un des plus récents, il me semble, dedans. Voilà, j'avais fait le jasmine. J'avais fait celui-ci. Et normalement, il y a aussi. Je crois que la page de garde, je l'avais finie. Je ne sais plus les amis. Je crois qu'il y en a un que j'avais pas terminé. Ouais, celui-ci, je l'ai pas terminé. Il m'a complètement gavé. J'en peux plus de le voir, ce colo. Donc ensuite, voilà, il y a les solutions. Et voilà pour ça. Ensuite, dans le Color Pixel, donc Pixel Color, j'ai le bleu aussi de chez Action. C'est ma meilleure amie qui me l'a envoyé. Voilà pour ce que j'ai fait déjà. C'est des colos assez simples, mais c'est quand même difficile. Là, je m'étais trompée. Voilà. Je sais pas, j'étais décalée. Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, pour celui-là aussi, je crois que je m'étais plantée. Et celui-là aussi. Voilà, c'est tout pour... Ah non, et j'avais fait celui-ci aussi. Donc celui-là, il est bientôt terminé aussi, le bleu. Ensuite, pour continuer, j'ai le vert. Et dans le vert, j'ai fait que celui-ci. Et c'est tout. Normalement, ouais, c'est tout. J'ai également le rose. Il est où le rose? Non, je ne l'ai pas là. Coloriage 100% mystère, le numéro 5. Donc dans celui-là, ben, autant vous dire que je n'ai rien fait. C'est un magazine. Au début, j'aimais bien les acheter. Je m'en dis pas les solutions. Voilà. Et au final, bah, j'ai arrêté. Comme dit, après, il y a eu le confinement, tout ça. Donc, j'ai arrêté. Dans les Extreme Coloring by Number de chez Action. Donc, le statut, ça, c'est l'un des tout premiers qui était sorti. Alors, voilà, le nuancier, je l'ai remis devant. J'ai fait ça. Présenté également sur la chaîne. Voilà, et je crois que c'est tout pour ce livre. Non. Voilà, ça c'était un duo. Et j'ai encore celui-là, de fait. Voilà.
pour celui-ci, donc n'hésitez pas si vous avez le livre, les livres que je vous présente, n'hésitez pas à me demander un duo. Dans le monde imaginaire, toujours pareil, bah celui-là je ne l'ai pas du tout commencé, vous voyez, il est vide, enfin il est vide, j'ai pas mis de couleur dedans. J'en ai... Non, c'est pas dans celui-là. Donc voilà, toujours pas fait, voilà. Et là, il y a une page qui est abîmée, enfin, qui est... Je sais pas comment vous expliquer, donc j'ai celui-ci. Pareil, dans la même collection, j'ai le paysage également, et là, j'en ai fait qu'un seul. Dedans, c'était... Un défi ou un duo, je sais plus. À l'époque, je m'inscrivais sur tous les duos. Voilà, j'ai fait celui-là. Un exceptionnel. J'aime pas du tout le concept. Et je vous montre les solutions. Voilà. J'aime plus ces livres-là. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Mais bon, bref. Donc, Megastar, toujours pareil. Le numéro 4. Et là, j'en ai pas fait dedans, il me semble. Si, j'avais fait celui-là. Et autrement, j'avais fait celui-ci. Ensuite, je crois que c'est tout pour ce magazine-là. J'en ai pas fait d'autres. Donc, je vous montre la solution. Voilà. 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 Et voilà. Pour ce magazine. Ensuite, toujours mosaïque spécial portrait. Donc le numéro 3 cette fois-ci. J'ai réalisé donc les portraits. Après, vous en avez en couleur. Et je crois que pour celui-là, c'était tout. Parce que celui-là, je l'ai fait dans l'ordre. Quand je vais chez mes parents, des fois, comme ça, j'emmène un magazine comme ça. Ou quand mon fils joue dans la piscine, beaucoup, je fais ça. Je fais cela pour aller dehors avec lui. Dans coloriage vice-versa, le numéro 7. J'en ai pas fait dedans. Voilà, il est vide. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. J'aime plus ces coloriages-là. Donc, voilà pour ça. Je vais peut-être les faire quand même, hein. Dans le livre achète vice versa, le tome 1, j'en ai fait quelques-uns également. J'en ai fait un récemment aussi. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Celui-ci. Ceci. Voilà. Et j'en ai fait un duo avec. Ah, je sais plus. J'avais fait celui-ci, il me semble, mon Dieu. Non. Non, c'était celui-là. Le 29 juillet. J'en ai fait d'autres hein, dans ce livre-là. Faut juste que je les trouve. J'avais fait une maman enceinte aussi également. Donc j'avais fait celui-ci. Celui-ci. Voilà, et là la maman enceinte. Et je crois que c'était tout. Non, j'avais fait celui-ci aussi que je n'ai pas noté. Celui-là, il est très récent. Je crois que je l'ai fait cet été. Et puis j'avais fait ça aussi. J'avais ma période Colo Mystère, du coup j'achetais tout et n'importe quoi. Donc celui-là aussi est récent, très récent, je l'avais fait en octobre. C'est le plus récent. Et je ne sais plus si c'était un duo ou pas, je ne sais plus. Ensuite, dans le Megastar numéro 2, donc j'ai terminé le 1. Donc vous ne le verrez pas. Il est, je ne sais pas où je l'ai mis, mais voilà. Donc... Je l'ai bientôt terminé également.
Il me reste 4 ou 5 colos dedans. Voilà, je vous montre. Donc, c'est pas vraiment des colos prise de tête. Il y en a des plus détaillés, il y en a des moins détaillés. Pour les défis, les duos, c'est pas mal. Ma meilleure amie les a aussi. Voilà, il me reste 1, 2. Il me reste 2. Donc, j'avais fait celui-là. Celui-là. Il me reste 3. Il me reste 4. Et voilà. Il me reste 4 et j'ai terminé. Voilà pour ça. Ensuite, dans les coloriages extrêmes de chez Action, également, donc le statut, donc deuxième édition. J'avais fait celui-ci, en fait, c'est un paysage qui reflète dans l'eau, mais vu qu'à l'époque, j'avais mon bureau contre ma baie vitrée, le bleu, là, il a déteint. Et je crois que j'avais laissé mon livre ouvert et ça avait déteint. Voilà, pour ces deux coloriages, j'en ai pas fait d'autres. Ensuite, pour continuer, chez Action, j'ai celui-ci aussi. Ça, c'est le numéro 2 également, ou peut-être l'un des derniers, je sais plus. Non, c'est le 2. J'avais fait ça. Et ma meilleure amie, je l'ai rencontrée dans ce livre-là. Elle m'avait demandé un duo. Et on avait réalisé non, c'était pas celui-là. Non, c'était pas dans celui-là. Non, c'était pas dans celui-là. Donc bref. Donc alors c'était dans lequel? Ah, ils sont là. Donc je vais vous les montrer tout de suite hein, pour finir la collection. Donc le animaux. Donc c'était des animaux. Je le fais dans l'ordre, personnellement. Voilà, donc j'ai du café qui a coulé. Donc voilà. Mon fils avait renversé la tasse de café. J'ai celui-ci qu'il faut que je termine. Et après, bah, j'en ai pas d'autres de faire, hein, vous voyez. Je le fais vraiment dans l'ordre. Donc c'est mon plus avancé, celui-ci. Moi qui adore les animaux, forcément, c'était celui-là où j'allais colorier le plus dedans. Donc celui-ci, au départ, je m'étais planté de couleur puisque j'ai suivi le nuancier qui n'est pas bon. Du coup, j'ai refait mon nuancier, je m'en suis aperçue qu'à la fin. Bon, bref, c'est pas grave. Donc j'ai fait cela, cela, et c'est pour celui-ci que j'ai rencontré ma meilleure amie. Donc je l'ai rencontré le 28 avril 2018. Et depuis, il n'y a pas un jour où on ne se parle pas. Et si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous et je te remercie encore de m'avoir contacté pour un duo parce que ça m'a permis de te connaître et voilà, donc j'ai fait encore celui-ci et j'en ai vu un autre. Et maintenant, je ne le trouverai plus, bien évidemment. Ah, voilà. Et j'ai fait celui-ci également. Donc voilà, ça c'est pour les premiers de chez Action, ça c'est les derniers. Donc là-dedans, autant vous dire que je n'ai rien fait. Il n'y a rien de fait, voilà, j'ai des livres, ils ne sont même pas faits, vous voyez. Hein. Pareil, ça c'est un des derniers et j'en ai pas réalisé dedans à part la première page. Je l'ai fait dans l'ordre, bien évidemment, sauf si c'est un duo. Je laisse la personne choisir la page et... Pour le dernier de chez Action, j'ai juste fait la première. Non, même pas. Ça, c'est un des derniers de chez Action. Après, ils n'en ont plus jamais fait. Et c'est vrai que c'est dommage. Parce que moi, j'aime bien ce style de coloriage. Oh, celui-là est détaillé. Hein. Celui-là, il faut se munir d'un des stylos fins, là, les triplus. Et voilà.
voilà pour cette première partie de vidéo de livre de coloriage mystère. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie.